simplement pour vous présenter quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, qui est Ségolène Royal, qui vient d'arriver sur la ville d'Arcueil. On en est très fiers à la ville. Moi, je voulais surtout remercier tous les militants qui ont fait un super travail, beaucoup de bénévoles qui sont venus nous aider. Et donc, je vous propose de laisser quelques mots par notre présidente. Merci à vous d'être là et bonne journée. Je ne vais pas vous faire un très grand discours, parce que je vais vous le faire tout à l'heure, déjà. Mais vous dire toute la joie que j'ai à vous retrouver, fidèle et mobilisée, venant de partout. Vous remercier vraiment du fond du cœur pour tout le travail d'organisation bénévole de Désir d'Avenir, parce que je crois que c'est un mouvement d'éducation populaire qui est unique, et qui est unique dans le paysage national, politique, institutionnel, ce qui nous rassemble est quelque chose de très précieux. C'est une vision de la politique particulière qui est fondée sur l'écoute, sur l'attention, sur le respect. Et c'est pourquoi d'ailleurs j'ai choisi tout à l'heure de commencer notre après-midi à 14h avec des débats sur la question du respect, qui est, je crois, ce dont nous souffrons aujourd'hui le plus sous le système Sarkozy. C'est un manque effroyable de respect dans tous les domaines. Et ce qui est important, justement, c'est de ne pas se laisser se dégrader. Ne nous dégradons pas, ne nous laissons pas entraîner dans cette voie, mais au contraire tenons bon sur nos valeurs, résistons et contribuons à notre façon, par nos propositions, par notre façon d'être, par notre façon d'être ensemble, contribuons à notre façon au redressement de la France. Et puisque je suis à Arcueil, et je remercie d'ailleurs tous les camarades d'Arcueil qui nous accueillent, le maire bien évidemment que je viens de rencontrer en mairie, Denis, qui est là, qui est la cheville ouvrière avec Benoît de l'organisation ici. Et puisque nous sommes dans une ville de banlieue, je m'adresserai aussi tout particulièrement tout à l'heure aux jeunes, à la jeunesse, celle qui est venue massivement voter pour nous en 2007 et qui depuis est abandonnée, il faut bien le dire. Je crois qu'un des fléaux auxquels nous sommes confrontés, c'est celui du chômage des jeunes, qui conduit, on le sait bien d'ailleurs, à la délinquance. Donc quand on cherche des explications, bah, commençons d'abord par faire une grande cause nationale de la lutte contre le chômage des jeunes. Et nous entrons dans... Ce qui est très important, c'est que nous entrons dans cette phase justement de proposition, de reconstruction, de redressement, parce que les Français ont parfaitement compris ce qui était en train de se passer. Ils ont parfaitement compris la nature du système Sarkozy. Ils ont parfaitement vu ce qui se passait aujourd'hui, même si au début du quinquennat, ça a pu faire illusion. Aujourd'hui, ils ont parfaitement compris ce qui se passait. Et donc, c'est pour ça que nous devons dépasser maintenant ce stade, tout en continuant à faire des diagnostics bien précis pour que les gens soient bien au courant de ce qui est en train de se passer. Mais en même temps, nous devons rentrer dans la pédagogie d'un autre modèle de société qui est possible. Et c'est pour ça que nous sommes ici, c'est pour construire cet autre modèle de société que nous voulons, pour donner à chaque enfant qui naît aujourd'hui, à tous ceux qui sont nés, à toutes les générations et aussi aux anciens, un désir d'avenir.